Bonjour Mithilusa, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je suis là pour faire une nouvelle vidéo et la vidéo de un book haul. Je suis en train de me dire j'ai oublié un livre. Non, il y en a qui vont encore arriver, c'est peut-être ça. Du coup, on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de livres. Du coup, voilà. J'ai eu un livre à prêter à Mariette qui est de Melissa d'Acosta. Tout le bleu du ciel chez le livre de poche. Je n'ai pas, moi j'ai pas encore lu, mais il me fait un peu peur. Je vais pas trop vous donner des résumés parce qu'il y a beaucoup 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 de livres. Du coup voilà, ça c'est celui que j'ai eu à prêter à Mariette, qu'il faut que je lise cette année. Oui, en pensant à ça avant de continuer, je vous souhaite une bonne année, de bonne santé, de tout ce qui peut vous apporter de bonheur, parce que cette vidéo sera pour après les fêtes. Ici je tourne le 31, c'est ça, on est 31, oui. Du coup je vous la posterai après les fêtes. Après j'ai me suis pris chez ah, le livre que j'ai que je suis occupée à lire, j'ai pas pris, je vais aller le chercher à Mons. J'ai pris Sous la même étoile de Erika Boyer. Voilà, c'est un auto-édité, il est trop beau, j'aime beaucoup. Il est dédicacé avec un marque-page. Il est trop beau, 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 beau. Voilà. Après, il faut que j'aille chercher le livre que je suis occupée à lire pour vous le montrer, parce que celui-là est important aussi. Me revoilà. Voilà mon livre en cours, occupé à le lire. Du coup, c'est Valkyrie de Céline Nicole, que j'aime beaucoup. Je suis passée la moitié. Je vous retiens bientôt au courant de cette lecture. Voilà. Celui que j'ai lu cette année, enfin je l'ai lu, je l'ai acheté aussi aux éditions à Mons. Il est dédicacé à Erika Boyer aussi. Et si on pliait les étoiles, voilà, d'Erika Boyer. Celui-là, il est lu et je suis très contente. J'essaie de faire plein de tas. J'ai le tome 2 de celui que je viens de vous montrer. Pour moi, j'avais les deux tomes. Voilà, il est un peu plus gros que le premier tome. Je ne sais pas si on va voir beaucoup la différence. Mais il est un peu plus gros. Du coup, voilà. Mais il me tente aussi beaucoup. Voilà. Après, j'ai pris de Natacha Pirouge. Je ne sais pas si je le dis bien. Générique. J'aime beaucoup la couverture. Il est en toc-toc. Voilà. Il est dédicacé aussi. Je l'avais reçu avec plein de goodies à Mons. Voilà. Et j'avais eu le petit marque-page. Et le truc est trop mignon. Du coup, voilà. Après, celui que je me suis offert, bien sûr, c'est l'intégrale. Vous voyez le livre, du coup. Excusez-moi. De Mickey Winnourson, d'anthologie de chez Glénat, et c'est un truc manga. Voilà, en fait c'est toutes les petites gazettes qu'on avait à mon époque dans le journal, et du coup qui sont remis dans un gros bouquin parce qu'il est fameux quand même, et il me donne très envie de lire. On va remettre celui-là là. J'ai pris aussi de chez Natacha Pirouge, celui-ci, mais je ne sais pas vous dire. Il a l'air un peu plus creepy que les autres, mais il me tente beaucoup aussi. Voilà. J'en ai pas mal à lire. Ben, celui que je vous avais montré, c'est le tome. Ça, c'est le tome 2, je pense. De celui que je vous ai montré. Et il est aussi dédicacé à De Mons. Voilà. Du coup, je crois que c'était le tome 1. Il faudrait que je les mette ensemble. Pas où je l'ai mis, le tome 2. Je regarderai après. Alors, c'est le tome 2 et l'autre c'est le tome 3. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. J'ai eu dans le calendrier de l'Avent avec Mariette. Celui aussi, j'ai le tome. Mais il est là. Avec Mariette, j'ai reçu Bienvenue à Las Folitettes, Océane Chorin, chez Hugo Poche. C'est la nouvelle collection. Ils sont trop beaux. C'est avec le marque-page trop beau. Voilà, j'ai réussi comme livre du 24. Voilà, ce sera à lire cet été. Je me suis pris, on va prendre les deux en même temps,
les deux de Laura S. Wall. J'avais lu le tome 1 l'autre fois. Du coup, le deuxième, c'est Le mariage presque parfait à un accro à Noël. Et le tome 3, c'est Le bébé presque parfait à l'accro à Noël. Voilà, cela, il me donne aussi très envie de lire. J'avais su commander Tim Bro, oh, je sais jamais, de Alicia Deserve. Il est trop beau, j'aime beaucoup la coloration de ce livre. Voilà, il me tente beaucoup, beaucoup à lire. J'hésitais entre celui-là quand j'ai commencé à lire. Voilà. Celui-là aussi me tente beaucoup à lire. Je me suis pris la réécriture de Belle. Je vais pas vous parler en anglais parce que moi, c'est de Eve V. Mais il est tellement mignon que je le veux. Il me le fallait dans ma collection. Je me suis pris aussi Just Win by Baby. Il est trop beau. Chez Black In. Il a l'air très très. J'aurais vu l'autre page que j'avais tantôt. Bien petit à écrire. Voilà. Mais il me tente aussi pas mal. Voilà. De Clos. Je sais pas les noms, mais je vous laisse voir comme ça. Vous saurez faire votre avis. Je me suis pris chez De Saxus, celui-ci, qui me tentait bien, mais j'ai toujours pas lu. Chez T.J. Clune. Les Vertim. Je sais plus parler. Voilà, il me tentait beaucoup. J'espère qu'il sera bien. Et j'avais pris en relié. Voilà. Pour changer. On va le remettre un peu bleu. Je me suis pris aussi le tome 2, Le Royaume des Maudits chez De Saxus de Carrie Manicol. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais j'ai pris le tome 2. Voilà. On va le remettre là parce que là, la pile est pleine. Je me suis pris. Je sais pas lire le nom en anglais. L'Oursa Priu. C'est chez Itio. Voilà. Je me suis pris à 4,99€ Baby on for Two chez HarperCollins Baby. Il donne beaucoup d'envie. Voilà. Leurs lèvres se sont accidentellement touchées et ils ne pensent plus qu'à se recommencer. Ça donne beaucoup, beaucoup d'envie. Voilà. Après, j'ai le tome 1 et le tome 2, mais je ne sais plus lequel est. 91, La Caserne. Je sais plus lequel est. Je sais que j'ai le tome 1 et le tome 2. Ben, ça, c'est le tome 2. Ben, il y a marqué tome 2, tome 1. Il est trop mignon. Voilà. Je sais que ça parle de caserne, mais pas plus. Mais j'ai trop envie de découvrir ce truc. Isabelle Riley est déterminée en bitouché volcanique. Journaliste, elle n'a pas sa langue dans sa poche, sa bonne humeur et sa bienveillance rendent inirisible. Suite à un passé amoureux difficile, elle a tiré un trait sur l'homme. Son problème, sa rencontre avec Mathieu Wisson, le lien tendu. Utiliser élite de grappe au sein de la caserne 91, séduisant noisette et aussi existant et insupportable avec sa plastique de rêve et son regard nébreux. Il est impossible de lui résister. Son immersion au sein de la caserne va avarier. Leurs nombreuses et prévues altérations, violence qui est liée va faire une étincelle au risque de brûler les ailes. Lisa va-t-elle arriver à découvrir ce qui cache derrière son apparence?
Que cache cet homme torturé, mystérieux? Les blessures du passé peut-elles être guéries? Voilà. Je ne lis pas le tome 2 parce que voilà. Ça vaut pas la peine. Celui que j'ai attendu, qui est arrivé plus tard que prévu, que je voulais lire cette année et que je lirai peut-être en janvier. Je sais pas, j'hésite. Ou j'attends après. Je sais pas, j'hésite. Un cœur pour Noël, Sophie Jomin. Une romance de la romance de l'Avent. 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Voilà, du coup ça se présente comme ceci. Vous avez le chapitre et vous le découpez là. Et vous avez les pages dedans. Mais il me tente beaucoup. J'hésite de le faire en janvier. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, si ça vous dit de le faire avec moi. J'avais pris la belle... le beau livre, Le Serpent et la Destin de la Nuit, Les Couronnes de Nyaria, tome 1. J'ai ces bookmarks, c'est la belle collection, elle est trop belle. Hop. Je marque pas. Je ne l'ai pas encore lu, il me tente bien aussi celui-ci. Je pense le faire bientôt, enfin j'espère. Voilà. Après, le dernier livre, parce que après c'est des mangas de BD, c'est celui-ci, J'entends du bien et du mal. Mais je pensais que c'était une réécriture de La Petite Sirène. Quand j'ai vu le truc, mais c'est pas du tout ça. Voilà, c'est de Arcia Terzer, Guerrier et les étoiles. J'ai même pas de. Chez Hachette Roman. Je me dis c'est un petit jeunesse, pourquoi pas. La couverture est très belle, même l'arrière. J'espère qu'il va me plaire à moi. Voilà. Le seul truc que je sais, à quoi ça ressemble un peu les dessins. Voilà. J'espère qu'il va me plaire. Voilà. Après, ben, c'est les BD. Du coup, moi, je me suis pris deux BD. Non, ça, c'est le tome 1. J'avais pris le tome 1, la Grimoire d'Elphique. L'histoire presque... L'île presque de Dracou. Aroska, enfin, c'est tous les noms. Voilà, et j'avais pris le tome 2 avec parce que je me suis dit que si j'aimais bien, j'allais le faire. Mais celui-là, il est lu. Du coup, on va le mettre dans la pile lu. Voilà, j'ai encore le tome 2 à lire. Et monsieur m'a ramené pas hier avant-hier. Par contre, je sais plus les numéros. Ils sont mis quelque part là. Tome 3, tome. Voilà, je vais vous les montrer. Il m'a pris Sorceline, tome 3. Au cœur de mes horizons. Voilà. Il m'a pris Sorceline, tome 4, rêve et en cauchemar. Et qui est toi? Sorceline 5, la seigneur de vol. Tome 6. J'espère que vous les voyez bien à chaque fois parce que je regarde pas toujours. Et le tome 6. Ça c'était le 5 et ça c'est le 6. Mystère de boule de gomme. Voilà. Je suis trop contente de me les avoir pris. Et il m'a pris celui que j'avais flashé dessus. Je lui ai dit, oh celui-là je veux. Il a l'air pas mal. J'ai le tome 1. C'est eux, c'était chez Dracou aussi. Hein. Je ne sais plus sur quelle maison. Celui-ci c'est de Dracou. C'est les jardins des fées. Il est trop beau. J'aime beaucoup. La bergerie des fées. La bergerie des fées. Le tome 1. Voilà. Et j'aime beaucoup déjà quand vous voyez les premières pages. Je vais pas vous spoiler, mais j'ai un peu peur pour les dessins parce que les dessins sont forts. Je sais pas, les visages. Je suis moins fan des visages. Mais comme il y a des fées, elle me fait penser à Clochette. Du coup, je me suis dit que je voulais me la lire. C'est un peu plus sombre que tout ce que j'ai en BD. Voilà, ben voilà tous les livres que j'ai accumulés de ces quelques mois. Je pense que c'est tout en fait. Non, ouais, je crois. J'en ai encore d'autres que je ne vous ai peut-être pas montré, mais on va faire ça comme ça. On va déjà faire ça. Voilà. Dites-moi en commentaire quel livre qui vous tente à lire, que vous avez ou peut-être déjà lu. Dites-moi pour moi les sortir plus vite de ma palle.
S'il y en a l'un qui vous tente de lire avec moi, on peut faire une lecture commune sur Instagram. Voilà. Ou sur le nouveau, je sais jamais. Le nom machin, je sais plus non plus. Il faudra que je le marque, je retienne le nom. Et sur ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir et c'est gratuit surtout. Et sur ce, moi, je vous souhaite encore de joyeux nouvelles, enfin, bonne année, bonne santé et tout ce qui peut aller avec. J'espère que vous avez été aussi gâtés en plein de cadeaux. Moi, en ce jour, j'ai toujours aucun cadeau, ni Noël, ni Nouvel An, parce que j'étais couchée pendant. Enfin, je suis encore. Je ne dois pas bouger normalement. Là, c'est exception pour vous. Logiquement, je dois être allongée au repos, sans bouger, sans au calme, sans énervement, parce que je vais bientôt vous dire mon petit secret, parce que de toute façon, je commence que tout le monde aille, tout le monde commence à le savoir. Du coup. Je pense que début de prochaine, je vous dis toutes les nouveautés qui arrivent dans notre vie qui va être chamboulée. Voilà. Donc j'espère que chers voisins me regarderont pour cette vidéo parce que je n'ai pas encore dit, mais je vais déménager. On a encore le temps, mais on va pas crier trop vite. Voilà. Mais je vous tiens au courant de tout ça. Et ça, si tout se passe bien, j'espère pouvoir me lever un peu plus et essayer de vous filmer tout ça aussi, vloguer notre futur chez nous et notre petite arrivée. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo de blabla. Voilà. Si vous avez des questions à me poser pour faire une vidéo question-réponse, mettez-le en commentaire ou allez sur Instagram et je vous répondrai ici. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et j'espère qu'on commence l'année en beauté. Je vous croise les doigts pour vous, pour moi et surtout pour nous, pour vous, et que l'année se commence super bien. Du coup, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la nouvelle année. Parce que si, ce sera toujours l'ancienne année, mais nous, on se retrouve pour l'année prochaine avec plein de nouveautés. Parce qu'il y aura un lecture. Si tout se passe bien, j'en ai déjà 3 lus, 4. 4, 2, 3. Note 4 que je peux vous dire, faut faire un lieu d'aide lecture. Peut-être, je vais voir. Si à part si je lis une BD ou deux, je peux la passer. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et bonne année. Et je vous fais. J'arrête de dire bisous, bisous.